Yo les gens, c'est RKM87 et on se retrouve en compagnie de Golden. Voilà, alors On va vous expliquer comment installer des packs de des textures ou textures. des mods. Donc déjà vous allez sur Play Store, c'est très basique, et vous téléchargez Master. Attendez. Non. MCPE Master. C'est Alors gratuit. MCPE Master, vous l'avez là. C'est vrai, c'est gratuit, C'est le c'est premier vraiment super, voilà. avec une pioche comme ça. Voilà, Et vous exactement. l'installez. Bon, moi je l'ai installé. Une fois que c'est fait, Excusez-moi. vous faites ouvrir. Voilà, vous l'ouvrez, on va pas le désinstaller, et ça fait ça. Vous avez un page. Et là, vous avez plein de trucs. Alors, vous avez les maps. Vous pouvez télécharger des maps. Pour télécharger des maps, voilà. Si... Imaginons, j'ai envie de télécharger celle-là. Elle me plaît super beaucoup. On appuie sur. La flèche. Et voilà, et là ça se télécharge, c'est bon, vous avez plus rien à faire. Et vous avez la Mais manette jaune, ça, c'est bon. c'est un peu plus compliqué après, donc on Mais va après. après, Les skins, les skins. après, on peut faire comme ça pour télécharger. On appuie dessus et on appuie sur... ça sera vert comme ça. Ouais, ce sera vert. Et pour jouer, Donc, vous appuyez sur ça ou sur la sur manette Start the orange. Game. Alors, bien sûr, il faut Minecraft, hein. Oui, voilà, bien sûr. Et vous, alors, on va vous expliquer. Skin, vous Les faites skins, c'est les skins, c'est pareil. pareil, vous téléchargez. Par contre, là, Comme ça va être, ça. il y a un truc en plus. Skin, Donald, vous faites, par Vous exemple. faites soit Donald d'ici, soit la flèche ici. Moi, je fais la flèche ici pour aller plus vite. Et vous faites Apply to the Appuyez Game tous si vous les voulez l'appliquer. Mais ça, c'est parce que les skins que vous aurez sur Minecraft PE ne marcheront pas sur MCP Master. Il faut télécharger les skins ici. Voilà. Ensuite, pour les textures. Ah, voilà. Les textures, alors vous téléchargez n'importe quelle texture, hein, ça Par marche. exemple, vous voulez celui-là, vous appuyez sur le bouton. Voilà, ça va se Ça va télécharger. se charger. Alors, plus ou moins, ça va bugger. Ça dépend de la Mais pas capacité. souvent. Mais ça bug pas vraiment, ça bug pas souvent, du tout. Alors. Pour un petit plus en plus. Voilà, ça veut rien dire ce que je dis. Moi, j'ai pris celui-là. Pure BD Craft. Pour moi, c'est le meilleur. Donc, vous faites Apply to the Game. Appuyez to the game et vous. Vous appuyez sur la manette si vous voulez jouer. Et là, Et là, regardez, regardez. ça va faire ça optimise votre jeu. Et là, vous avez ça. Bien sûr, si vous allez sur Minecraft normal, ça ne marchera pas. Voilà, c'est que MCP Master. Mais ça marche en ligne, bien sûr. Donc, vous avez le pack de texture. Vous Et allez sur voilà. n'importe quelle map, on va en créer une, tiens. Ouais, allez. Allez, créatif pour leur montrer un peu. On va mettre vidéo, voilà, comme ça fait bien. Vidéo. Terminé et vous créez. Créatif, créer votre monde. Et là, vous pouvez voir que vous avez Ah oui, alors ce qui est en haut, c'est les modes, donc on va vous montrer après. le Donc les jeu, packs les de packs de textures. texture. Il est très beau celui-là. Et vous pouvez faire un petit truc. Voilà, vous Vous avez pouvez tout faire un ça. petit truc. Alors regardez, en haut, il y a une petite pioche. En haut, n'importe où, il faut la déplacer. On va se mettre en survie. Vous pouvez passer de survie à créatif. Survie, voilà. Vous pouvez changer le temps. La nuit, voilà Et le là, coucher de combien de soleil et nuit? le jour, on va mettre le jour. Vous pouvez faire une petite, vous pouvez changer aussi la pluie, voilà. Mais moi j'aime pas. Et vous pouvez faire ça, minimap. Alors ça va faire ça, regardez. Minimap, et vous Et avez une vous avez minimap la map. avec les ennemis en rouge et les. Et vous? Et vos amis? Vous en vert? Non, nous on se voit pas. Et c'est des animaux, c'est en vert, hein, sans Ah, doute. c'est les animaux en vert. Ouais. Ah bah les animaux en vert. Ah bah Voilà, c'est les super ça. animaux ou créatures passives. Donc on va l'enlever, on rappuie dessus. On rappuie sur ça. On est en survival. Et là vous pouvez troller vos amis. Vous allez sur l'épée, vous faites enchante. Infinite level. Sharpness 100, c'est un truc de fou les gens. Donc, moi je vais encore enlever ça, l'outil. Et on peut faire aussi spawner n'importe quel. Voilà. Autant que vous voulez, vous pouvez mettre Voilà, en 64. bas il y a 64 plus, voilà. Donc, et regardez pour vous montrer que l'épée, c'est pas un fake. L'épée en diamant. C'est très belle. Regardez. Tranchant 100. Et regardez un peu quand on frappe une vache. Ce qu'elle Voilà. prend. Et regardez avec butin 100. Tout ça, C'est top un golf. truc de fou! Voilà toute la bouffe que vous pouvez avoir. Regardez dans votre inventaire. Voilà. Et si vous êtes un gros gourmand et que vous adorez Sharpness, vous faites item, l'épée, modifie. Et là, vous pouvez modifier le nom, la couleur de l'item. Regardez par exemple, nous on va faire rouge, on va pas modifier le nom. Et vous pouvez, bien sûr, sharpness et vous appuyez, vous restez appuyé sur plus. Et là, ça va augmenter jusqu'à l'infini. Voilà. Et vous pouvez bien sûr mettre respiration et tout, mais ça sert pas grand chose. Enchante. Et après, vous appuyez sur l'épée pour changer d'item. Vous pouvez enchanter n'importe quel item. Bon, c'est fini pour les packs de textures et les possibilités. Maintenant, on va passer au mode pour les impatients. À tout de suite!
Re, donc, pour les modes. Donc, mode PE. Alors là, il a déjà téléchargé les modes. Donc, on va vous montrer, par exemple. On a tous ces modes, nous. Ça, c'est tous les modes. Et petit à petit, par jour, il en sortira des nouveaux. Et par exemple, celui-là. Regardez, celui-là. Il vous permettra de faire que de la rotten flèche pour avoir du cuir. Ce qui est pas mal. Et ce qui est bien aussi, c'est que quand on fait apply to the game, après on peut plus l'enlever. Vous voyez ? Eh ben on fait comme ça. Importe. Importe. Mode PE. Mode PE. Descendez. Non, ça c'est my sim. Ah oui. Mode PE. Mode PE. Et là, vous pouvez les enlever, voilà, ou les remettre. Donc nous, on va vous montrer quelques trucs. Donc, par exemple, je vais activer. Allez, flèche explosive. Donc, faites ça. Hop, hop, et je vais aussi activer un deuxième pour se marrer. Ça, c'est marrant. Alors, village, je vais activer. Et je vais activer Dynamic Light. Ensuite, je retourne. Et j'appuie sur la petite manette orange pour jouer. Donc, excusez-moi. Oh là, ça m'a un peu de temps. Ah, ça y est. On va créer un nouveau monde, on va pas l'appeler, c'est bon, c'est pas grave. Là, vous allez. Alors là, en haut, vous aurez marqué les modes qui seront activés. Donc, leur nom, tout ça. Donc, on va vous montrer un petit truc. On prend une épée en fer, on appuie. Oh ! Et bim, un village. Un village qui spawn grâce au mode village. Et vous pouvez faire ça à l'infini. Donc, vous pouvez vous amuser avec vos amis, bien sûr. Et c'est toujours le même si village. Si vous voulez un grand village, vous avez tout. Vous appuyez, bon, c'est bon. Vous avez compris. Vous prenez l'arc pour flèche explosive. Vous allez tirer la boum. C'est comme une TNT. Headshot. Voilà. Et dernier mode. Alors. La torche, on va prendre dans les mains. On va mettre la nuit. Et regardez. Time. Voilà. La nuit. Et là, regardez. Grâce au mode... Si je dis pas de bêtises, ça va vous marcher et la lumière. Et pourtant, on n'a pas posé de torche. Voilà, vous pouvez voir, j'ai pas posé de torche. Même, regardez, si je lâche la torche, plus de lumière. Alors ça, c'est vraiment génial. Il y a un peu de temps, la lumière va se déplacer, mais c'est quand même super. Hein. Bon, bah, c'est tout pour cette petite vidéo. Alors, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ciao. Ciao.